Bonjour à tous, c'est Devil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette fois-ci, on se retrouve pour mon petit bilan de la GT Fusion 2020, pardon, du premier round de cette compétition. Alors, aujourd'hui, donc, c'est au volant de la Mazda MX-5 Touring Car, qui a été mis, je crois, en N300 pour l'épreuve, avec des sports durs, usure x16, x11, il me semble. Alors, comment va se passer cette vidéo? Je vais vous mettre ma qualification, enfin mon tour qualif, ma première course en entière, ma deuxième course en entière que je vous montrerai comme d'habitude quoi. Et ensuite, je vous mettrai un petit bonus pour ma dernière course. Je vous mettrai peut-être pour la troisième course juste un, ou à la fin de la vidéo, peut-être un récapitulatif de mes résultats et le classement. Et en gros, voilà, enfin le classement. Je mettrai là où je suis à peu près parce que le classement est, enfin, est tellement pilote que sur un petit écran de téléphone vous allez rien voir du tout. Donc je vais bien zoomer sur mon nom comme ça vous verrez bien. Mais ouais, en gros vous avez l'idée. Sur mon nom et sur le classement de l'équipe également. Bref, je crois avoir tout dit. Donc c'est parti, bon visionnage. Allez, c'est parti donc. Très bon départ de notre part. On a mis le contrôle traction et on l'a relâché. Je pensais pas en fait qu'au départ il y avait le contrôle traction, genre une heure avant la course. Et quand je l'ai vu en fait, je me suis dit, mais en fait, faut que je fasse une première vitesse super courte. Parce qu'à la base, je l'avais faite plutôt longue pour que je puisse partir sans patiner, sans contrôle traction. Mais vu que là il y avait du contrôle traction, bah, allez, hein, je suis devant. Et c'est, je pense, ça qui a joué sur tous les départs. Parce que globalement, les TX3 avaient une boîte de vitesse qui faisait que leur première vitesse était super longue. Je crois le monter à plus de 110 km/h, tandis que la mienne montait à 50 quoi, donc 50-60. Donc forcément, au départ ça jouait. En l'occurrence, là ça fait l'affaire, donc c'est plutôt bien. On a pris cette première place et maintenant il va falloir faire du mieux qu'on peut.
bien, donc je reprends à l'entame de ce troisième tour. On arrive à garder le gap, c'est plutôt bien. Sur cette course, on n'a pas besoin de refuel ni de s'arrêter au stand. Donc voilà, ça c'est important de faire la précision. Par contre, sur la course longue, vous allez voir la stratégie qui est un peu étonnante. En effet, bah voilà, comme vous le savez, Laguna Seca, l'arrêt au stand, dure 50 000 ans. Donc là, en fait, le but sur cette deuxième course va être de minimiser le plus possible les arrêts au stand. Donc vous allez voir comment j'ai opté pour faire ça. Franchement, choisir, j'aurais préféré rouler à fond, vous me connaissez, mais n'empêche que c'est intéressant à faire, donc voilà. En l'occurrence, c'est ce que j'ai fait, mais bon. En tout cas, voilà, à la fin de ce troisième tour, je me retrouve à 3 secondes d'avance, ce qui est plutôt bien. Donc on a une belle avance, maintenant il nous reste juste à assurer et logiquement ça devrait passer. Bien, donc on arrive dans le corkscrew, puis on attaque l'avant-avant-dernier virage. On a toujours cet écart de 3 secondes 5, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Et donc du coup on va s'imposer pour cette première course, j'étais plutôt content. Voilà, je voulais marquer le plus de points possible, parce que étant donné que j'étais en poule B, si après voilà, je veux aller retourner en poule A et me mettre plutôt bien niveau classement, bah, il fallait que je fasse une soirée sans faute et on commence plutôt bien, en l'occurrence avec une victoire, plus le meilleur tour au dernier tour, une 35-004. Je voulais une 34, mais j'ai pas réussi à l'avoir malheureusement. 8-02.3, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. On passe à la prochaine course, cette fois-ci, course longue, en départ inversé cette fois, et je crois même que le coéquipier de Batou, Eitak, je crois, arrive à cette course-là. Parce que il y a eu un délire au niveau de l'ajout d'amis ou je sais pas trop quoi, donc il n'était pas là pour cette course. Donc voilà. On va peut-être partir 11 ou 12, je sais plus. Enfin bref. On est parti pour la course longue.
Allez, c'est parti, le départ pour nous, et encore une fois notre boîte qui fait des ravages. Parce qu'on va non pas passer une voiture ni deux voitures, mais trois voitures au départ au final. Donc c'est plutôt pas mal. Ici je vais me caser à l'extérieur en mettant le radar et on va réussir à passer tranquillement à l'extérieur. Alors j'avais le bug ABS je crois sur celle-ci. On peut voir au niveau du freinage, mais il me semble. Ouais, voilà, comme vous voyez, j'ai bug ABS. Donc ouais, ça facilite pas la tâche, notamment en termes d'usure de pneus. Normalement l'usure de pneus était quand même assez faible, donc ça va, mais bon, en tout cas nous pour le départ on est déjà P7, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va essayer d'aller doubler mot. Donc j'engage le truc comme vous avez vu, voilà pour cette course là. C'est écho 2, passage à un quart à peu près, et c'est comme ça qu'il faut faire, tout simplement. Donc voilà. On a réussi à passer le mot. Maintenant, on a l'attaque de Bob Jean, c'est parti! Bien, on a une opportunité, il freine vachement tôt, nous on freine un peu plus tard, je rebondis un peu sur le vibreur, néanmoins ça passe sans trop de problèmes. Donc c'est bon, on est parti pour aller chercher au minimum le podium, au mieux la victoire évidemment. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Prochain objectif, objectif pardon, bip bip Bob, c'est super compliqué à dire je trouve. Enfin, je galère à lire, donc si je dois prononcer son pseudo pendant la vidéo parce que je suis attaque sur lui et que je le prononce mal, je suis infiniment désolé. D'avance, voilà. Bref. Donc on a l'attaque. C'est parti, enfin l'attaque toujours à l'écho, c'est ça qui est un peu particulier au final. Mais bon, let's go.
bien, ça fait un peu plus de 3 tours qu'on est à l'attaque. On arrive à se rapprocher, néanmoins, voilà. On n'arrive pas à doubler. Fort heureusement pour nous, voilà. Bip, Bob nous fait une petite erreur. Ce qui va évidemment nous être plutôt pas mal pour aller chercher une place. Donc voilà. On a réussi à doubler maintenant. Attaque sur Nico. Et la roustante qui arrive bientôt. Parce que ma stratégie, en fait, elle va se composer d'un arrêt. Alors pourquoi on est en déco 2? Tout simplement parce que ça vaut plus le coup de faire un arrêt que de. C'est la Laguna Seca. Cherchez pas, mais c'est Laguna Seca. On écho 2 en économisant comme des tarés. Ça vaut plus le coup que de faire un arrêt. Merci les gars, vous êtes géniaux. Bref, du coup, on écho. On écho, on écho, on écho. Et voilà, l'arrêt est très proche. On s'arrête fin du 8ème tour. Donc voilà, il va falloir faire attention à l'essence et surtout se rapprocher le plus possible. Allez, là on a une opportunité, on va essayer de doubler Nico. En plus, nos deux adversaires devant se décalent, donc on a pu profiter un peu de l'aspi, et là voilà. Là je pense qu'il est à l'écho, nous beaucoup moins. Donc ça a pu passer tranquille. Donc on a doublé Nico, c'est pas mal. Maintenant on attaque la P2, et comme vous l'avez vu, pour l'instant personne s'est arrêté. Donc personne va tenter un undercut du futur sur 9 tours ou quoi. Bon, on sait jamais. Mais comme vous voyez aussi, bah, personne ne tente le 2 arrêts. C'est pour le coup, voilà. Comme vous le voyez, ça ne vaut absolument pas le coup. Je crois qu'on perdait 15 secondes en faisant ça, ce qui est juste démentiel. Mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Ok, attaque sur Pipoli. C'est parti. On freinage. On met le radar. Et ça passe sans problème. Donc on a gardé. Enfin, on a gagné la P2. Et comme vous voyez sur le classement, et on même sur la mini-carte, Stefunzi et Aura se sont arrêtés. Donc voilà, petit undercut à venir. Je m'y attendais pas à ce qu'ils s'arrêtent là, je pensais qu'ils allaient partir sur 8 tours d'un coup. Ils partent sur 7 puis sur 8. Donc ils vont pouvoir être à l'écho sur la prochaine partie de la course, ce qui est quand même un bon point pour nous, vu que nous on va être à fond tout le long. En fait, je vais remettre le plein et bingo quoi. Mais ouais, maintenant il va falloir faire attention quand même. D'autant plus que je savais pas combien de pourcents d'essence ils sont rentrés. Bon, ils sont rentrés avec pas mal d'essence, mais bon. Allez, bref, je vous retrouve pour la restante. Ok, pit stop, c'est parti. Tout le monde s'arrête. Emixiv à 16 litres. Donc, pardon, donc non, Emixiv c'est pas raté, je crois que je l'avais dit. Non, c'est Aura et Stefanie qui sont ratés. Donc 16 litres, c'est énorme. Moi je suis à 4. Donc pour le coup, voilà. Et donc on change les pneus. Et on remet de l'essence. Et c'est là où j'ai fait l'erreur. Je n'aurais pas dû changer les pneus, vu que vous allez le voir. Regardez. Déjà, Aura, c'est fondé son jeu devant. Et Mixi veut pas tarder à sortir. Voilà, mais comme vous voyez, Dr. Pipoli, son jeu dehors.
Et Mixi est dedans également. Oura et Stefunzi avec. En fait, ils ont pas changé les pneus. Et là, direct, bah, ça pose un petit problème. Parce que, encore, tout à l'heure, ils étaient à l'écho. Bon, on aurait pu faire ce qu'on pouvait, quoi. Mais là. Bah, ils sont plus à l'écho. On sort P7. D'autant plus que Pipo Oli et Doctor sont devant. Et nous, on est derrière. Comme vous voyez, ils sont déjà largement devant. Donc là, bon, direct, je me dis, ils ont pas changé les pneus, quoi. Ils ont pas changé les pneus, donc va falloir attaquer. C'est donc ce qu'on va essayer de faire. C'est parti. Ok. On donne une opportunité ici. Allez, on réaccélère. Enfin, à fond. Quand je disais à fond, au final, c'est en écho 1, en économisant, mais bon, c'est déjà ça. Donc, on a pu passer Momo. Maintenant, voilà. Il reste toujours Amixi, va aller doubler. Et là, pareil, un peu compliqué quand même. Je me mets écho 6 comme ça, voilà. Je peux économiser un petit peu derrière. Plus aura Stefunzi à doubler. Plus après, il va aller chercher tout le monde, quoi. Donc, si on veut cette victoire, franchement, il va falloir aller chercher. En 5 tours, ça va pas être évident. Néanmoins, petit point positif, j'ai remonté une seconde sur ce dernier tour. Donc voilà, ça peut être pris en compte. Et il va quand même falloir faire gaffe. Dans l'autre. On remonte fort, et là, je vois l'opening sur Stefunzi, je me mets à l'inter, ça passe, on suit toujours Amixiv, on va la gouiller un petit peu, on a quand même remonté une seconde sur le tour, donc c'est bien, maintenant voilà quoi, va falloir quand même pousser quand même, parce que ouais, là pour l'instant ils sont à l'écho, s'ils se mettent bien pour tout à l'heure, c'est pas dit qu'à la fin de la course, ils aient pas un petit peu de rap d'essence quoi, donc on pousse toujours, 36-1 au meilleur tour pour le moment, ça va descendre, mais ouais. Bon, moi on a doublé Stefunzi, on est P5, ce qui est correct en soi. Mais voilà, si on peut aller chercher mieux, ça peut être cool. Alors de la même manière qu'on va doubler Stefunzi, on va doubler Oura. On passe donc P4.
On gagne toujours une seconde de tour, et puis... Gaz, quoi, je dirais. Ok. Bon bah toujours 4 tours restants. Et là, MXI va louper un poil. Ça sort ici, comme vous voyez. Il va prendre un petit peu et là voilà. Occasion directe. J'aurais dû pousser plus que ça dans le rapport, mais bon. J'ai poussé un peu moins et là, dépassement. Au corse rouge, tente. Bon évidemment il me laisse la place. C'est quelqu'un de très fair play, donc forcément voilà. Aucun souci de ce côté-là. Et du coup, on a gagné cette troisième place. Ce qui est quand même assez important, parce qu'à la limite, les deux premières places de devant, bon, ils vont pas pouvoir trop lutter, ils ont des pneus usés et tout, ils sont bien à l'écho, etc. Mais MXIV, lui, il était à fond, quoi, sur un relais de 7, enfin, il avait beaucoup plus de rythme au final, donc forcément, un peu plus compliqué d'aller le doubler. Donc on a fait le plus gros, maintenant, voilà, il nous reste 3 tours, et là, on a une seconde 8, donc globalement, ça devrait bien se passer. Bien, donc là, on va avoir une petite petite opportunité. Une grosse opportunité, vu qu'on va réussir à doubler. Donc ça, c'est bien. Et maintenant, il nous reste plus que Doctor à aller chercher. Ça devrait le faire, logiquement. Et là voilà notre occasion. J'ai bien écho mon essence donc je peux me permettre de pousser. Et encore un dépassement à l'entrée du corse pour nous. C'est fait. Donc on a retrouvé notre première place, même si on a fait notre petite erreur à la con. Au moins on a réussi à retrouver tout ça. Maintenant il nous suffit de rallier la ligne et ça devrait être bon. Et en plus on descend meilleur tour, ce qui est plutôt pas mal. Thank you.
Et c'est fait, deuxième victoire de suite pour nous dans ce GT Fusion. Donc déjà là on se met très très bien niveau points. Maintenant il va falloir faire une troisième course encore meilleure. J'espère. Allez, je vous mets les résultats. Bien, donc on est parti pour la palme du Gogol du jour. Bah voilà, vous allez voir ce qui se passe. Faut savoir que j'ai dit à mes coéquipiers de ne pas changer les pneus. Yup. Alors je vous le donne en 1000, où je vais ressortir. Bon bah allez, hein. Au boulot. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum.